Ok les petits potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup cette semaine bah c'est la nouvelle boutique comme d'habitude, vous pouvez pas le petit peu et vous abonner. Et avant de commencer la nouvelle boutique, je rappelle qu'il y a un nouveau partenariat entre guillemets avec Rocket League, pour ceux qui aiment bien ce jeu là ou qui sont déjà joués. Comme la dernière fois il y a eu des récompenses gratuites. Cette semaine, et eh bien le 25, du coup, le 9 avril, vous pouvez vous citer de regagner des récompenses de Fortnite sur Rocket League et de Rocket League pour Fortnite. En vrai, vous avez compris, c'est le même système que la dernière fois. Pour ceux qui sont intéressés, sur ce, et eh bien on est parti. Ah oui, il y a aussi un concert le 27 mars aussi. Un concert sur le Parti Royal. Mais ça, on va voir ça dans la semaine, de toute façon. Au pire, on en parlera ça tranquillou. Ensuite, du coup, on a la petite boutique. Alors, on a toujours disponible le Soda Trinity. En vrai, il me tente pas mal parce qu'il est pas trop mal. J'aime bien les couleurs. Également. Parce qu'en vrai, je. Voilà. Après, je sais pas si je veux le prendre ou non. Et écoute, tu savais pas que c'est pas non plus ce qui est le plus cher, ouais. Mais je sais pas. On verra. On verra si je me décide. Il reste deux jours dans la boutique. Généralement, deuxième jour, je finis par craquer, mon amant. Donc, on verra. Du coup, il y a toujours disponible la petite danse à 500 V-Bucks, qui est du coup une danse de TikTok. Le skin version hier, sur la Trinity, à 800 V-Bucks, avec ses deux petites customs. On a le retour. Ce skin là sort très souvent. C'est un skin tryhard en plus, un peu. Hein. La skin Ruby, 1200. On a également sa pioche pour 500. On a le planeur normalement avec. Voilà, 500 aussi. On a le retour. Par contre, celui-là, c'est un petit moment. C'était pas sorti en version obscure en plus. 1200 V-Bucks, le petit Triceratopin, version féminin du coup. Et on a Rex, version obscure, que j'avais déjà du coup, qui est sorti il y a un petit moment. Peut-être un an environ qui est sorti. Donc en vrai, c'est ce skin-là, ouais. J'aime bien. En vrai, c'est pas le Rex d'origine, parce que celui qui est d'origine. Il est vert, hein, vous connaissez bien, je suppose. Il était à la saison 4, je me crois. 4, oui, il me semble. La première saison 4, je précise. La petite pioche, puis ça va buck. En mode un peu. Bah, c'est des os de dinosaures. Actuellement, d'ailleurs, il y a des os sur Fortnite. Hein. Donc, on est un peu dans le thème, on va dire. On a du coup. Le roto de ce skin est un peu troll. Un gros dodo. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté, mais il est. Bah, il est sympathique, hein, visuellement. Mais c'est pas un skin facilement que tu vas jouer en game, vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est pas mon genre de skin, personnellement. Il est genre mignon, mais c'est tout. C'est un skin mignon que tu jouerais pas, tu vois. Je suis dans ton casier, je sais qu'il y a beaucoup qui aiment bien collectionner des skins. Ils l'auront dans leur casier sûrement, certains. Mais ils vont jamais jouer avec, vous voyez ce que je veux dire. C'est un skin, voilà, bizarrement, un peu troll, on est d'accord. La chasseuse éclaireuse, 800 V-Bucks. Toujours disponible. Ah, la petite esprit sauvage que j'ai, du coup, également pour 200 V-Bucks. Petite danse, du coup. Voilà, disponible. On a également le retour d'une danse qui date quand même. Pop et Lock. J'avais déjà, du coup, ça fait un petit moment que je passe celle-là. Pour 800 V-Bucks. On a la petite danse Youpi. Une danse assez rare aussi, je crois, celle-là. Pour le 100 V-Bucks, qui date quand même aussi. Le soirée pizza, forcément. La petite danse de Monsieur Tomate, Madame Tomate, etc. Pour le 100 V-Bucks. La Team Pizza, les Team Pizza, j'oublie. Tous les skins, bah, qui rapport à John Wick, donc John Wick, forcément. Sophia, ce marteau, etc. On l'a déjà vu, toujours disponible pour ceux qui veulent se le procurer. C'est vrai qu'il y a des skins comme ça, généralement, c'est pas. Ça dure très longtemps, les skins. Parce qu'en vrai, il y a des skins qui durent. Genre, par exemple, les skins de Guerre du Futur, Terminator, ils sont encore disponibles en boutique. Hein. En vrai, donc, c'est pour ceux qui hésitaient à les acheter ou qui sont pas assez débugs et qui jouent à sauver le monde, peut-être. Bah, vous avez encore le temps de les acheter, les gars. Donc voilà, faites-vous plaisir hein, si vous n'avez pas encore ces skins. Apparemment, toujours disponible le pack. Maintenant, Maridor, logiquement, il est plus disponible à partir de. Aujourd'hui, donc c'est vraiment le dernier jour. Logiquement, moi je le vois encore en boutique, mais logiquement il n'y est plus. Et normalement, moi je ne l'ai pas encore affiché, mais le starter pack il sort aujourd'hui. Jusqu'à ce que je redémarre mon jeu, le starter pack de cette saison, c'est un skin masculin. Je ferai une vidéo sur mon après, puisque moi, comme le jeu, je n'ai pas quitté le jeu. Du coup, je ne le vois pas dans la boutique. Normalement, il doit être dans la boutique. Pour ceux qui redémarrent le jeu ou qui vont redémarrer demain, vous le verrez normalement dans votre boutique. Moi je ne le vois pas parce que je ne l'ai pas redémarré le jeu forcément. Et ce petit skin là. Midas version féminin, normalement il va plus être disponible demain ou dans la semaine, il doit plus être là. Donc ceux qui le veulent, c'est maintenant, sinon il est trop tard, vous l'aurez pas. Je sais pas quand elle reviendra en plus, donc elle reviendra sûrement pas tout de suite. Donc profitez-en. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Et n'oublie pas également le petit code créateur, ah, ça fait plaisir. En majuscule, en minuscule, comme d'habitude. De toute façon, c'est pareil, ça valide quoi qu'il arrive. Donc c'est plutôt bien. Moi je l'écris comme ça, parce que je trouve ça stylé l'écrire comme ça. Et on se dit à demain. Sur ce, bye bye.